6-9 la matinale, Matin Sport. Sport. 7h19 sur Radio Chaîne 3, c'est l'heure de l'actualité sportive qu'on va essayer de décrypter, d'analyser avec Mamar Djebbour. Mamar, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par le badminton. Oui, le badminton avec la première médaille d'or décrochée par le duo Mamri Kouseila et Mamri Tanina. C'est un frère et une sœur, donc dans la spécialité double mixte. Alors qu'un peu plus tard hier, le duo Mamri Kouseila et Sabri Meddel dans la spécialité double messieurs, eh bien lui s'est illustré également avec une seconde médaille d'or pour l'Algérie. On rappelle que ce tournoi international, il est important. Il est important à plus d'un titre puisqu'il permet de marquer des points et il est qualificatif pour les Jeux Olympiques qu'abritera la capitale parisienne en 2024. Une discipline où les Algériens ont l'habitude de briller, on parle de judo. Oui, c'est les Jeux mondiaux des sports de combat. Nos karatékas, dans cet événement, ont récolté 3 médailles, dont une en or grâce à Luisa Abouri. C'est au tour maintenant de nos judokas d'entrer en compétition. Et ça débute aujourd'hui aux Jeux mondiaux des sports de combat qui se déroulent à Riyad, en Arabie Saoudite. Plus de détails avec Ali Hamouche. 7 judokas algériens ont été retenus pour les mondiaux des sports de combat à Riyad, en Arabie Saoudite. 3 chez les dames, Zinabou Akash dans la catégorie des moins de 57 kg, Amina Belkadi chez les moins de 63 kg, Sonia Asla dans la catégorie des plus de 78 kg. Il y aura 4 messieurs, Delis Mesoud chez les moins de 78 kg, Arilas Ben Azouk dans la catégorie des moins de 81 kg, Yasser Bouammar chez les moins de 100 kg et enfin Mohamed El Mahdi Lili dans la catégorie des plus de 100 kg. Sur cette compétition et l'objectif de nos judokas, on écoute le directeur technique national Abdelmalek Ait Moufak. La compétition de judo va concerner uniquement l'épreuve par équipe mixte. Trois garçons, mais le championnat d'Afrique, on n'a pas eu de compétition. En fait, la compétition nous permet de remettre dans le bain de la compétition avant la tournée pour la récolte des points à la qualification au prochain début novembre. Il y a l'Open d'Australie. Exceptionnellement, l'Open d'Australie a participé du même nombre de points qu'un Grand Prix. Donc, c'est 700 points qui sont mis en jeu. C'est exactement le même nombre de points qu'un championnat d'Afrique. Il y a beaucoup d'athlètes qui, c'est pour améliorer leur classement. À noter que c'est l'un des judokas messieurs qui aura le statut de remplaçant puisque la compétition par équipe mixte concernera 6 athlètes. Par ailleurs, dans ces Jeux mondiaux des sports de combat, pas de points à récolter dans la course à la qualification pour les prochains Jeux olympiques pour nos athlètes, notamment Deis Mesoud et Amina Belkadi, les mieux placés pour être présents à Paris en 2024. On reste toujours, Mamar Djebbour, avec les sports de combat. Cette fois, c'est une discipline, le taekwondo. Le taekwondo qui est une discipline, je le rappelle, olympique. Alors, Islam Ktfeya, chez les plus de 87 kg, s'est qualifié hier pour la finale. Chez les dames, c'est Zahra Sharif, chez les plus de 73, elle a décroché son billet pour la finale. Je le rappelle, c'est le tournoi international ouvert Open qui se déroule au Qatar. Sur l'objectif de cette participation algérienne, le directeur technique national, Salim Achouri, il est contacté par Rostomir Yechlif. Les objectifs de ce tournoi, donc c'est un Open pour récolter des points qualificatifs aux Jeux Olympiques. En même temps, un deuxième objectif, c'est la préparation pour le championnat d'Afrique des nations seniors hommes et seniors dames qui se déroulera prochainement en Côte d'Ivoire le 5 et le 6 novembre. C'était le directeur technique national de la Fédération algérienne de taekwondo, Salim Achouri. 12 athlètes, 8 chez les messieurs et 4 chez les dames, représentent l'Algérie au tournoi international Open de taekwondo. On va sur l'eau, nos rameurs à la manœuvre. Eh bien, c'est le coup d'envoi aujourd'hui du championnat d'Afrique d'aviron. 14 rameurs prennent part à ce rendez-vous, dont 6 sont concernés par la qualif au JO. Le championnat d'Afrique qui se déroule en Tunisie. En skiff poids lourd, l'Algérie sera représentée par l'expérimenté Sidali Boudina chez les messieurs et Benchedli Nihed chez les dames. Alors que pour la spécialité double poids léger, il y aura Feriel Zitouni et Hellel Barouane Chaïma chez les dames, ainsi que Shemseddin Boujma et Boussif Belhaj Bilal chez les messieurs. À titre de rappel, la sélection nationale effectue un stage d'une vingtaine de jours au niveau du barrage de Beni Haroun à Mila et sur l'état d'esprit des athlètes algériens à la veille de cette compétition. Le sélectionneur national, Riyad Garidi, il est contacté par Lotfi Benidir.
Pour ce qui est de l'état d'esprit de notre groupe, c'est un peu spécial. C'est un championnat d'Afrique avec beaucoup d'enjeux. Donc les athlètes sont un peu stressés, mais bon, c'est notre rôle d'essayer de faire de notre mieux pour les mettre dans une ambiance favorable. Sans oublier aussi les autres équipages, car on n'a pas que 4 équipages. On sera durant ce championnat d'Afrique avec 17 équipages, entre juniors, seniors, femmes et garçons. C'est un championnat d'Afrique qui est très relevé. Pour la plupart des jeunes, c'est leur première grande compétition. Et essayer de prendre de la confiance, essayer de gagner en maturité, beaucoup plus sur le plan technique et psychologique. Et on va tout faire pour être les meilleurs et bonne chance pour tout le monde. Riyad Ghalidi, l'entraîneur national d'Aviron, tente. Alors, les Algériens vont tenter de récolter un maximum de points pour pouvoir se qualifier également aux Jeux Olympiques. Je rappelle que 20 pays vont prendre part à ces championnats d'Afrique. Avec, au total, ça nous donne 168 rameurs. Compétition qui se déroule en Tunisie. Par l'athlétisme et ça grince au niveau de la fédération, Mohamed Jabour. Ça grince dans le monde de l'athlétisme algérien. Et plus précisément avec cette dernière correspondance de la Ligue d'Oran. Ligue d'Oran qui prend attache avec le président de la Fédération algérienne d'athlétisme pour un certain nombre de griefs qui sont reprochés au président et à son bureau fédéral dans la relation qu'il doit lier une fédération à sa ligue. Alors vous allez me dire de quoi il s'agit. Tout d'abord, il faut remonter un peu dans le temps. Je rappelle que quand on organise une compétition telle que les Jeux méditerranéens, ça permet également d'impliquer l'ensemble des acteurs à travers les disciplines retenues pour cet événement. Et pour l'athlétisme, ça permet de retenir des juges, ça permet de former, d'avoir des informaticiens chargés, notamment de tous les tableaux, de mettre à jour, de donner les résultats. Bon, on ne va pas refaire pour l'utilité de tout ce beau monde. Alors il est reproché tout d'abord une immixtion dans les affaires de la Ligue, mais à travers l'envoi de personnes pour l'organisation d'un meeting qui devait être international et qui s'est transformé en meeting national à Oran, on a envoyé du personnel de la Ligue d'Alger, alors qu'à aucun moment la Ligue d'Oran n'a été sollicitée, c'est ce qui est reproché dans la correspondance, dont une copie a été envoyée au ministre des Sports pour dénoncer les pratiques de la Fédération algérienne d'athlétisme. Et d'ailleurs, dans cette correspondance, le président de la Ligue d'Oran, qui est un ancien athlète, qu'il rappelle les devoirs du président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Je rappelle également, concernant l'athlétisme, un jour, on y aura l'occasion d'y revenir, il y a pas mal de contestations comme ça, dont on ne parle pas dans le milieu des athlètes, dans la relation entre athlètes, direction technique, dans le fonctionnement également. Ce qui est important, c'est qu'heureusement, et je le dis à chaque fois, que les athlètes d'élite, eux, sont pris en charge à travers une bourse qui leur est octroyée, notamment pour ceux qui préparent les Jeux Olympiques. On a bien compris, la machine est loin d'être convenablement huilée. On reviendra avec vous sur ces grincements. Mohamed Jabour, football, championnat étranger. On commence par l'African Football League avec les quarts de finale. Le tout-puissant Mazembe a battu l'Espérance Sportive de Tunis. Et Inimba s'est incliné devant le Wydad de Casablanca. Le tout-puissant s'est imposé 1-0. La même chose pour le Wydad face à Inimba. En première ligue, on a joué hier. Brahman n'était pas titulaire avec West Ham. Et Aston Villa a battu West Ham 4-1. Barcelone revient à un point du Real et de Girona. Girona qui a battu Almeria 5-2. Alors que Barcelone s'est imposé devant l'Athletic Bilbao 1-0. En Italie, on était focus sur le choc Milan AC Juve. Et c'est la Juve qui s'est imposée 1-0. Aouar, titulaire d'entrée avec la Roma. La Roma qui s'est imposée 1-0 devant Monza. Et puis on ira également, pour l'essentiel, avec Bentaleb qui a repris avec Lille. Il était titulaire, il a dû sortir blessé à la 68e minute. Il a reçu un coup au nez, alors que lui qui jouait déjà avec un masque. Lille s'est imposé devant Brest sur le score d'1-0. Et à retenir également qu'il a été passeur décisif. C'est notre international avec le Stade Amine Gouiri, avec le Stade Rennais. Son club, malheureusement, a été battu par Lorient 2-1.